putain de merde, ma fuck cool. Mais non. Hostia. Oh, c'était quoi? Un dauphin. Mince. Vous avez vu, les gars? Non, vous avez pas vu. Oh. On va essayer d'en voir un autre. Allez. Allez, le dauphin. Oh, ils sont là-bas. Oh. Bon, bah, j'ai pas réussi à les filmer, mais on a vu les éclaboussements. Oh. On va rester focalisé là-dessus. Allez, les dauphins. Oh, vous les avez vus. Ah, trop bien. J'ai réussi à les filmer. Oh. Allez, encore une fois. Allez. Oh, trop bien. Vous avez vu le spectacle? Oh, c'est les dauphins sauvages. Oh. Mais on est sur le fleuve Casamance. Allez, on descend. Du coup, on doit descendre. Vous avez vu les dauphins? Oh là là. Bon, on est arrivé en tout cas. Et ça donne quelque chose comme ça à l'arrivée. Welcome to paradise. De caravane, hein? Mmh. Allez. On est à caravane. Oh non, mais l'île, elle est juste magnifique. On a vu des dauphins qui nous ont dit welcome. Donc franchement, je suis trop contente. Je suis refaite là. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi, c'est Sense Media ou S pour les intimes. Et sur cette chaîne, on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part. Un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson. Tu as trois choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. Pardon. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui on est sur l'île de Caravane. Donc je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble, tout ça, tout ça. Et la troisième des choses, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai par là aussi. C'est parti! Bon, je pense que vous allez reconnaître quelqu'un encore que vous avez déjà vu sur la chaîne. Celui-là, Urbain. Mambal. Voilà, Mambal, mon guide de la Casamance. Franchement, trop bien. Tous les vlogs, je les fais avec lui. Donc, il va nous expliquer un peu tout ce qu'il y a à savoir sur l'île de Caravane. Voilà. Bon, voyons ce qu'il y a devant nous là. Qu'est-ce que c'est tout ça? Donc là, on est sur l'île de Caravane. Mm-hmm. Vous savez, l'île de Caravane est une île qui se trouve à côté du fleuve Sénégal. Il faut dire que l'île là a participé pendant la colonisation française. Donc, il faut noter que les Français sont arrivés ici en 1836. D'accord. Et que quand ils sont arrivés ici, il y avait quelqu'un qui gérait l'île du nom de Bertrand Baudin, de la famille Baudin. C'est eux qui géraient l'île. D'accord. Mais l'île a été achetée au roi de Kenyout avec 36 bars, en échange de 36 bars annuels. Bars, ce qui veut dire 196 francs. D'accord. 196 francs. Et c'est le roi de Kenyout qui a cédé l'île aux Français. D'accord. Et durant cette période, il y a beaucoup de choses qui ont eu à passer ici parce qu'ils ont eu à installer un comptoir commercial. Et c'est à partir de l'île, sur l'île,
C'est là où ils ont essayé de passer dans tous les villages de la Basse-Casamance pour aller à la recherche des tirailleurs. Et aussi, ils imposaient dans les villages environnants aux gens de payer des impôts. Mais vu qu'ici, nous, on cultivait beaucoup de riz, ils ont essayé de nous imposer la culture de l'arachide. D'où Aline Sito Ediata, qui est une prêtresse de la Basse-Casamance, qui a des nietes à la culture de l'arachide. Et c'est à cause pour laquelle il y a les gens dans les villages, ils payaient des impôts, ils donnaient du riz aux colons. Et à partir d'ici, ils le transportaient jusqu'en France. Mais il faut noter aussi avant il y avait une pratique du lachaud qui se faisait ici aussi sur l'île. C'est quoi le lachaud? Le lachaud, c'est les huîtres, les coquilles d'huîtres. D'accord. Qu'on utilisait. Okay. On les brûlait. Le lachaud, c'est sous forme de peinture, la peinture. Ok. Ouais. D'accord. Et ce lachaud-là a été revendu aux colons britanniques qui étaient en Gambie. Mm-hmm. Et il y a beaucoup d'activités qui ont eu à voir sur l'île. Le bâtiment que vous voyez là, c'était un bâtiment colonial. Vous savez, ici, les Français ont beaucoup de difficultés à collaborer avec les Diola, parce que les Diola n'aimaient pas la domination. Donc, du fait que ce bâtiment-là a été créé, donc toutes les jeunes qui résistaient dans les villages environnants, on les prenait et on les amenait ici, genre sous forme de correction. C'est pour cela que ce bâtiment-là est devenu et était l'école spéciale professionnel. C'est là où on a mené toutes les résistants, les jeunes résistants à partir D'accord. de 21 ans qui essaient de résister pour ne pas qu'ils créent d'autres révoltes dans le village. Donc on les prenait, on les amenait ici sous forme de correction. À côté là-bas, si on part là-bas, vous allez voir les cellules. Ah oui, il y a des cellules et tout. Il y avait des cellules aussi. Voilà. Mais après, on aura l'occasion aussi de visiter l'église bretonne. Derrière ce bâtiment, l'hôtel Carabane qu'on a visité tout à l'heure, oui, c'est là où logeait l'administration française. D'accord. Mais vous savez, après la colonisation, quand les Français sont partis, les missionnaires sont revenus après. Mm. Et c'est là où les missionnaires finalement ont eu à loger. Aujourd'hui, l'hôtel appartient à l'Église catholique. D'accord. Donc, okay. Et on aura aussi l'occasion de voir le cimetière français. Parce que comme je vous dis, nous on n'aimait pas la domination. Donc il y avait des batailles qui avaient eu entre les Diola et les colons. D'où il y a une tombe qui est là, d'un capitaine Aristique le Protect, qui a été tiré par une flèche empoisonnée. Et avant de mourir, il a décidé qu'on l'enterre debout avec son chien de garde. On aura l'occasion de visiter aussi sa tombe. Ah oui, ok. Bon, c'est parti. Il faut noter aussi que ce bâtiment aussi a servi de première école ici en Basse-Casamance. Donc, on peut dire que toutes les premières intellectuelles de la Casamance, ils ont eu à faire leurs études ici. Donc, c'était une école il y avait une classe en bas et une classe en haut. Il y avait deux étages. Oui, il y avait deux étages. Ok. C'était séparé. D'accord. Et là, à côté, vous avez les cellules. Là ah oui, où les on mettait les récalcitrants. Les enfants qui résistaient. D'accord, dans les villages. Les résistants ouais. Des villages. Donc ça, c'était des petites leurs cellules. Mm-hmm. Et vous allez vous poser des questions, parce que quand vous partez à Gorée, les bâtiments coloniaux n'étaient pas comme ça. Mm-hmm. Mais ici, nous, en Casamance, on n'aime pas les mauvais souvenirs. Mm-hmm. Parce que les colons, nous, avec les colons, ça n'allait pas très bien. Donc quand les colons sont partis, mm-hmm. les gens ont eu à saboter tout ce que les colons ont laissé ici. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage, parce que ça pourrait servir de musée, d'autres choses, pour l'héritage. Ouais. Voilà. C'est pour cela que les gens sont en train de voir comment voir avec l'UNESCO pour essayer de rénover ces bâtiments. Parce qu'il faut noter que Carabane aussi a beaucoup joué dans l'histoire de la colonisation en Casamance. D'accord. Voilà. Parce que toutes les tirailleurs qui quittaient la Casamance, ils ont passé par Carabane pour aller en Europe. Ok. Voilà. D'accord. On recrutait les tirailleurs autour de ces. Mais on les amenait à Carabane. Mmh. Parce que c'était le premier capital de la Basse-Casamance, Carabane. D'accord. Avant même Ziguinchor.
D'accord. Mais le, c'est après, vers les années 1880, c'est là où Karaban a perdu son statut de capitale. D'accord. Et les Portugais qui étaient à Ziguinchor, ils ont cédé Ziguinchor aux Français qui étaient à Karaban dans les années 1888. Et okay. C'est là où Karaban a perdu son statut de capitale. De capitale. Et c'est comme ça que le Karaban aussi est devenu, et c'est dépeuplé. Mm-hmm. Parce qu'il paraît-il qu'avant, pendant la colonisation, ils étaient à 1000 habitants. Mais d'accord. Aujourd'hui, l'île est à 300-400 habitants comme ça. Ah oui. Oui. D'accord. Et les autres, sont partis Sont partis, oui. Sont partis plus vers la capitale. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Ok. D'activités. Parce qu'avant, avec la colonisation, il y avait du boulot aussi. Avec l'administration française, c'est un comptoir commercial. Donc, tous les gens, ils venaient ici parce qu'il y avait... Il y avait de quoi faire. Ouais, il y avait, Mais aussi, il faut noter qu'il y a une autre forme d'esclavage qui existait sur l'île. Mm. Parce que, tu vois, les captures de guerre, on les vendait aux Français ici, qui travaillaient pour les Français. Ça, c'est une autre forme d'esclavage. Même si l'esclavage a été aboli, mais quand tu envoies des gens travailler par force, tout ça, c'est une autre forme d'esclavage. Bah, donc, ouais. Il y avait une autre forme d'esclavage qui existait sur l'île. Non, tous ces bâtiments-là, c'est ces gens-là qui les ont construits. L'église et autres. D'accord. Bon, bah, l'école spéciale, hein. On va voir ce que ça va donner d'ici quelques années, si ça va être rénové ou pas. En tout cas, aujourd'hui, voilà où est-ce qu'on en est. Bon, là, on voit pas trop bien, mais en gros, il y a écrit école spéciale. C'est l'école spéciale, mais il faut noter que c'était pour mineurs aussi. Nous, ici, les mineurs, c'était à l'âge de 21 ans. D'accord. Ouais. Enfin, jusqu'à 21 ans, tu veux dire. Ok. Et à côté, vous avez l'arbre. Ça, c'est un figuier étrangleur. Oh! Tu vois comment il est? Mais ouais! Voilà. Les racines... Voilà. C'est un figuier étrangleur. Et pourquoi étrangleur? Parce qu'il étrangle les gens? Ouais. Il étrangle les arbres. S'il est à côté d'un arbre, ou bien à côté d'un bâtiment, il tient. Ah ouais, je vois ça là. Le mur, il va tomber là. Il va pas tomber. Notez aussi que l'île de Karaban est jumelée avec Bon Encontre de France. D'accord. Ok. C'est l'église bretonne, sur l'île de Karaban. Il faut noter qu'avant, quand les colons venaient en Afrique, ils venaient tout le temps avec des missionnaires. Donc, cause pour laquelle, à Karaban, là où tu vois, là où les colons ont fréquenté en Afrique, ils essayent aussi de convertir les gens en christianisme. Donc, voilà pourquoi l'église de Karaban. Okay. Donc, il l'appelle l'église bretonne. Mais il a été rénové avec quand FH est venu pour faire le pont, le quai de Karaban. D'accord. Il avait été rénové tout récemment. Ok. Parce qu'il était aussi délabré. Cause pour laquelle ils ont construit une église à côté. Ça, c'est une église? Oui, ça, c'est une église. Devant. Quand D'accord. le bâtiment-là était délabré, ils ont construit une église à côté. D'accord. Et après, avec FH, avec le projet du pont, ils ont eu à rénover l'église. Mais maintenant, les gens ne vont plus sur l'église. Dans la petite, ils vont dans la grande. Ils vont dans la grande église. D'accord. Et ce qui fait la spécialité de Karaban, vous avez une église à côté et juste, même pas 50 mètres, vous avez la mosquée. D'accord. On va aller Donc voir ici, ça. En Casamance aussi, il faut noter que ici, on ne force pas les gens à choisir leur religion. Tu es libre de choisir ta religion. Voilà. Dans une famille, vous pouvez trouver des catholiques, vous pouvez trouver des musulmans, vous pouvez trouver des animistes. D'accord. Chacun est libre. Ça, voilà. C'est vraiment bien. Voilà. C'est mais quand ils grandissent dans une famille musulmane, ils vont t'éduquer dans cette religion. Ou bien quand tu grandis dans une famille catholique, ils vont t'éduquer dans cette religion. Mais après, c'est à toi de choisir. De choisir en grandissant. En grandissant. On force personne. Dans la famille, il peut avoir des musulmans, il peut avoir des catholiques, il peut avoir des animistes. Ok. Non, ça, c'est cool. À quoi ressemble l'église de l'intérieur? On va pas rentrer, juste pour avoir une vision globale de la rénovation. On dirait qu'elle est toute neuve. Là, on peut apercevoir la mosquée qui est pas trop loin de l'église. Voilà, bon, on va pas marcher jusqu'à là-bas, mais en gros, voilà à quoi elle ressemble. Nous voilà donc en direction du cimetière. On va voir comment c'est. Et surtout celui qui a été enterré debout. C'est ça qui m'intrigue en fait, pas vous?
donc la tombe de Aristide Protée dont nous parlait Urbain tout à l'heure. Voilà, et puis ben là on est dans le cimetière pour vous montrer un peu une vue d'ensemble. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà, là où nous sommes devant la tombe du capitaine Aristide Protée. Comme je vous disais tout à l'heure, que ça n'a pas été facile avec les colons, parce que le peuple Diola, c'est un peuple qui résistait aussi. Donc voilà un peu la preuve de la tombe du capitaine Aristide Protée. Donc qui a été tué par une flèche empoisonnée dans un village qui se situe juste devant là. Donc ce capitaine a été tué par le fils du roi de Hilol. Donc avec une flèche empoisonnée. Et avant de mourir, il a décidé qu'on l'enterre debout avec son chien de garde, mais face à l'ennemi. Face à l'ennemi. Si vous approchez un peu, vous allez voir bien. Ici, vous allez constater qu'il y avait deux trous. Ça, c'était des vitres. Donc ces deux trous-là représentaient ses yeux. D'accord. Ouais, mais aujourd'hui, avec, ils ont décidé de fermer les yeux pour le respect du capitaine. Du capitaine. Donc là, il y a un capitaine qui se repose ici, debout, avec son chien de garde. D'accord, waouh. Voilà. Mais tout autour, vous allez voir, il y a des il y avait d'autres Français qui ont été enterrés de ce côté. Parce que vous savez, pendant la colonisation, il y a une maladie, genre la peste, qui est arrivée sur l'île. Comme c'était une petite île, il a eu à faire beaucoup de dégâts. Donc, il y a, quand tu regardes bien, il y a des enfants qui ont été, qui sont morts ici sur l'île. Il y a aussi des colons qui ont été enterrés ici parce que la peste a tué beaucoup. Cette maladie-là a tué beaucoup de gens ici. De personnes. Mais aujourd'hui, ce cimetière français est devenu le cimetière catholique du village. Juste après le cimetière catholique, derrière, vous avez le cimetière musulman. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah merci pour les explications. Là, on arrive en fin de journée. C'est le coucher du soleil. On va pas tarder à rentrer. L'hôtel Caraban, apparemment c'est là où logeait l'administration française avant. Je laisse donc avec ces images. Bonne soirée à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que la vie à vite ne perd plus ton temps et vite ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt. Tchuss.